Bonjour, je vous propose une pâte brisée sucrée. Donc pour le faire, il vous faut 300 g de farine, 8 cl de lait, il vous faut 150 g de beurre, pommade. Il vous faut 3 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel. Alors le beurre pommade, il ne faut pas qu'il soit fondu, mais il faut qu'il soit tout mou. Alors sortez votre beurre avant, il vaut mieux le sortir avant que de le faire passer au micro-ondes. Hein. Sinon, il sera tout liquide, ça ira pas. Là, on va commencer par mélanger le sucre et le sel dans la farine. Et on va malaxer progressivement le beurre dedans, petit à petit, pour faire une grosse semoule. Là, j'ai mis le sucre, la farine, le sel. Et progressivement, je vais mettre le beurre que je vais malaxer avec un petit doigt. Après 2 à 3 minutes de pressage, vous obtenez une texture de semoule. Donc là, nous allons mettre en route l'appareil, ou vous pouvez le faire aussi à la main. Mais on va rajouter le lait en une seule fois et on va laisser pétrir pendant 5 minutes. Et voilà ma pâte brisée sucrée finie. Voilà le résultat. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les tartes sucrées. Bon appétit !